Salut coucou! Alors c'est le deuxième jour du vlog et je suis vraiment déjà désolée mais aujourd'hui je sors pas de chez moi et on fait pas campagne en porte à porte parce que j'ai un petit souci à l'estomac, ce qui fait que j'ai dû aller à l'hôpital. Je prends beaucoup de médocs et ça me crève et tout est plus difficile depuis que j'ai ça. Et donc voilà, aujourd'hui c'est en intérieur et je voulais en profiter pour lancer une discussion. Moi je suis assez jeune et donc j'ai pas connu, mais mes parents et mes grands-parents m'ont raconté que avant la campagne électorale c'était des caravanes du style Tour de France où on lançait des bics et on lançait des gadgets, etc. Et que maintenant bon c'est interdit, j'ai toujours connu une loi électorale assez stricte. Et c'est très bien comme ça, c'est pas du tout une critique. Et donc voilà, je voulais juste un petit peu connaître ce qui vous intéresse en campagne. Est-ce que vous lisez les programmes? Est-ce que vous allez sur le site internet? Ou est-ce que vous votez parce que vous aimez bien la personne? Que c'est aux affiches? Est-ce que les affiches ont la moindre importance? Est-ce que vraiment, enfin, vous allez voter parce que ça vous est déjà arrivé de voter pour quelqu'un qui a l'air sympa? Déjà tout simplement. Donc c'est juste que moi ça me viendrait jamais l'idée, donc je comprends pas l'importance des affiches, mais bon, enfin soit. C'est ce genre de truc où je voudrais avoir une discussion avec vous, tant que de toute façon je suis ici, j'ai le temps de discuter avec vous sur l'ordi et de le lancer. Ce serait vraiment cool parce que moi je me rends pas trop compte de ce qui est important ou pas en campagne, je le fais juste au feeling. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires ici en dessous, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous regrettez du passé, ou ce que vous regrettez qui existe encore et qui ne devrait plus exister, et ce que vous faites, vous, en campagne, comment ça se passe dans peu importe les villages, pas forcément Mons en particulier, mais donc voilà, n'hésitez pas, ça m'intéresse vraiment, et donc n'hésitez pas à débattre. Merci, bye bye. Au revoir.